présent ce matin à ce point de presse qui marque les 100 jours du ministère des Travaux publics depuis ma présence, naturellement, depuis mon arrivée. Je voudrais, d'entrée de jeu, d'abord remercier encore une fois le chef de l'État pour sa confiance pensée en ma personne et le premier ministre chef du gouvernement pour m'avoir confié la conduite de la politique gouvernementale en matière de travaux publics. C'est un honneur, je suis très fier et je voudrais remercier encore une fois le ministère des Travaux publics, l'ensemble des cadres ici présents. Ce qu'on a pu réaliser ces 100 jours, c'est grâce à eux. La perspective qui est donnée, c'est grâce à eux. Un ministre est un maître d'orchestre et qui essaie de voir comment faire évoluer les choses. Donc je voudrais les remercier pour le travail qui a été réalisé. Alors, la lettre de mission. Comme vous savez, quand on est nommé, le chef du gouvernement nous donne une lettre de mission. Et ma mission à la tête du ministère des Travaux publics est de conduire, comme je l'ai dit tantôt, la politique du gouvernement en matière de travaux publics, dans sa conception, dans son élaboration et surtout dans la mise en œuvre de cette politique. Et à ce titre, un gouvernement, quand il est nommé, le chef de gouvernement, des objectifs bien clairs lui sont assignés par le chef de l'État. Et le premier ministre, à son tour, nous assigne aussi, en tant que ministre sectoriel, des objectifs clairs, des objectifs précis. Le premier des objectifs, c'est déjà l'amélioration du cadre de vie des Guinéens, de nos concitoyens qui empruntent nos routes tous les jours. Faire en sorte que ce cadre de vie soit amélioré. Donc, amélioration de la circulation, pour quitter un point A, un point B. Aujourd'hui, il est très difficile de se mouvoir à Conakry et à l'intérieur du pays. Notre rôle, en tant que ministère des Travaux publics, c'est de veiller à l'amélioration du cadre. La deuxième chose aussi, avec cette croissance que nous connaissons avec le boom dans le secteur minier, donc qui parle de croissance économique, parle naturellement de l'augmentation de la valeur ajoutée. Valeur ajoutée, c'est salaire, profit. Salaire, qui parle de salaire, parle d'emploi. Le premier ministre, chef du gouvernement, nous a donné l'orientation que nous voulons que ce soit une croissance partagée. Donc, de faire en sorte que les projets qui vont être exécutés, que ces projets exécutés puissent profiter aux Guinéens, puissent profiter aux jeunes. Donc, d'améliorer et de promouvoir les composantes à haute intensité de main-d'œuvre pour que nous puissions créer suffisamment d'emplois pour que la richesse soit partagée. Et tout ceci ne peut pas se faire sans une réforme réelle du cadre organisationnel, du cadre institutionnel, pour nous permettre d'aller plus loin, pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Et cela, une demande de nos concitoyens, c'est de lutter contre les détournements, de lutter contre la corruption. Et là, des mécanismes ont été mis à disposition pour qu'il y ait plus de transparence dans les cas des appels d'offres, dans les cas de passation de marché. Et quand vous avez tous ces objectifs, forcément, il faut des priorités. S'il y a trop de priorités, on aura des difficultés à mettre en œuvre certaines choses. En termes de priorités, pour créer un cadre de vie décent pour nos populations, pour les permettre de se déplacer d'un point à un autre point B, il faut naturellement poursuivre la réhabilitation des voiries urbaines, permettre aux gens de pouvoir se déplacer. Il faut aussi éliminer des bourbiers un peu partout sur le long de nos routes nationales. Comme vous l'avez constaté, les deux dernières semaines ont été un calvaire pour nos usagers qui quittaient Guéguédou pour aller à l'intérieur du pays, pour aller à Zérékouré ou de Zérékouré vers Conakry. Donc il faut que nous battions pour l'élimination de ces bourbiers et aussi les travaux dont les études ont été lancées depuis fort longtemps, faire en sorte que ces travaux puissent démarrer. C'est le cas de la construction de Koya Forokaria, d'Aboula Sisséla. Hier, nous avons eu une séance de signature de ces contrats pour l'exécution d'ici un mois de ces travaux, de d'Aboula Sisséla, de Sisséla à Koumsa, et du PK Sontra de Kisidougou à Guéguédou, et de Guéguédou à Kondébadou. Donc là où il y a bougier aujourd'hui, pour que nous puissions rapidement mettre en œuvre ces différents tronçons, mais aussi faire en sorte que le
contenu local soit au cœur de notre approche pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi. Alors, mettre en place un système de protection de nos routes. Vous savez, l'agression que prenaient nos routes aujourd'hui, c'est dû à l'utilisation surtout abusive des véhicules poids lourds. Les véhicules poids lourds surchargés détruisent aujourd'hui notre chaussée. Donc, ce système sera mis en place. Il y a déjà une première communication au Conseil des ministres. Nous ferons en sorte que le mois prochain, que ce soit opérationnel. Et, naturellement, revoir le cadre organique pour permettre à ce que le ministère soit doté d'une organisation efficace qui permettrait à ce que nous puissions répondre aux besoins ou en tout cas à l'attente des usagers, mais surtout à la mission qui nous est confiée au chef de l'État. Alors, l'état des lieux, il faudrait bien que je vous dise ce qu'on a trouvé sur place et comment est-ce que nous pouvons améliorer sur ça. Tout a démarré par une retraite. Nous sommes partis à Poya, nous avons fait 72 heures, 2, 3 et 4 juin. Nous avons travaillé sur une conception, la conception d'une organisation innovante. Nous avons travaillé sur les projets et programmes que nous avons au sein du ministère. Nous avons travaillé sur la situation du budget tel qu'il est à notre disposition, mais aussi faire en sorte que nous puissions promouvoir le rajeunissement au sein du ministère. Parce que nous avons une pyramide des âges où nous avons plus de 60% à 70% du personnel qui est vieillissant aujourd'hui. Nous sommes tenus, dans les 2, 3, 4 prochaines années, faire en sorte que nous puissions faire monter en puissance les jeunes ingénieurs. Et donner une certaine visibilité au ministère. Depuis l'arrivée du chef de l'État, beaucoup de choses ont été réalisées. Beaucoup de choses restent à venir, mais pas de visibilité. Donc, ça rend l'action vraiment pas du tout visible. Dans le cadre institutionnel, à Koya, avec les cadres, nous nous sommes dit qu'il faut transformer cette direction nationale de l'entretien routier aujourd'hui en direction nationale de la protection et de l'exploitation routière. Ça, c'est arrivé comment? Après discussion avec les cadres du ministère, personne ne se sentait propriétaire de la route. Les routes nationales, quand les projets finissaient, naturellement, c'est cette direction qui assure la maîtrise d'ouvrage quand il y a la construction des routes nationales. Et quand c'est fini, on ne sait plus à qui appartient la route. On attend qu'il y ait des fissures ou qu'il y ait des mille-poules pour que la direction commence à penser ou en tout cas programmer l'entretien. Donc nous nous sommes dit, cette direction, avec les réformes qui sont en cours, doit se transformer pour être une direction nationale en charge de la protection d'abord du patrimoine routier et aussi en charge de l'exploitation routière. Donc, se sentir totalement responsable et propriétaire de nos routes. Ensuite, la direction régionale des travaux publics. Et comme vous savez, la loi 025 voudrait que nous ayons des inspections régionales et ensuite des directions préfectorales. Donc, les directions régionales vont évoluer près des inspections régionales et les directions préfectorales resteront des directions préfectorales. La direction nationale en charge des infrastructures, telle qu'elle est aujourd'hui, fait beaucoup de levées de fonds, mobilisation de ressources. Donc, nous nous sommes dit, avec le ministère en charge des investissements publics aujourd'hui, de travailler en synergie pour que cette direction devienne une direction en charge des investissements routiers. Donc, une direction qui sera sur le terrain pour mobiliser des ressources. Je n'ai vu aucun pays qui se développe ou en tout cas qui construit ses routes à partir du budget national de développement. Ce n'est pas possible. Donc notre philosophie, celle qui nous a été, la mission qui nous a été confiée par le chef de l'État et le chef de gouvernement, c'est de faire des projets, avoir des études fiables et aller chercher des financements à des conditions qui nous permettraient d'avancer. Alors, j'ai dit tantôt que la direction nationale de l'entretien routier évolue vers la direction nationale de la protection. Parce qu'il y a cette création de la zone. Le président de la République a déjà pris le décret, les statuts sont déjà créés. Cet ajout est à l'image de ce qui se fait au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Il va se charger justement de la gestion des appels d'offres et de la supervision des travaux. Ça, pour répondre à la demande de lutter contre la corruption et qu'il y ait plus de transparence
dans les appels d'offres. Donc, cette direction, plutôt cette entreprise étatique, aura pour rôle de lancer les appels d'offres, de sélectionner, et avec les nouvelles lois qui ont été votées dans le cadre de la gouvernance des projets et dans le cadre aussi de l'amélioration des cadres de passation. Le financement, c'est à partir du fonds d'entretien voté, les taxes qui sont collectées au niveau des produits pétroliers, aussi la recherche de partenaires, parce que c'est une société anonyme, qui pourra s'endetter pour permettre de faire face à certains projets et des montages financiers qui nous vont mettre en place. Nous avons songé aussi à mettre en place un système d'intervention, un service d'intervention rapide. Imaginez par exemple un arbre qui tombe. Quand un arbre tombe, il faut faire tout de suite recours à qui? On ne sait pas. Donc nous sommes dit, nous allons mettre en place un service d'intervention rapide qui sera en déambulation, donc ne sera pas toujours un endroit fixe. C'est quand il y a un arbre qui tombe, pour que tout de suite on puisse agir et enlever l'arbre. Quand il y a une nid de poule qui est créée quelque part, rapidement que ce nid de poule soit bouché pour ne pas que ça devienne un grand trou. Donc, et prévenir naturellement les dégradations. Beaucoup de techniques du pont attendent ce. On ne le fait pas généralement ici parce que c'est quand il y a des fissures que la technique du pont attend est assurée pour ne serait-ce que faire des émulsions de bitume sur la chaussée et des graviers qui sont posés pour permettre à ce que ces fissures-là soient tout de suite bouchées pour prévenir la dégradation, parce qu'une fois qu'il y a des fissures, la chaussée n'est plus étanche. Donc, rapidement, la chaussée se dégrade. Les outils, désormais, de communication à votre disposition. Depuis notre prise de fonction, de charge, nous avons mis ce site en place, qui est mtp.gov.gn. Désormais, si vous voulez me prendre là où je peux être beau, hein, vous pouvez aller là, Flickr. On a toutes les photos dans cette banque de données. Toutes les photos du ministère. Quand on est sur un projet, il y a un album, il y a toutes les photos. Donc, à vous, à mes journalistes, vous pouvez aller ici, Flickr, et vous aurez toutes les photos du ministère des travaux publics. Projet par projet, région par région, vous les verrez, c'est bien arrangé, tout est là. Et vous avez naturellement YouTube, et le Facebook, le compte Facebook, Twitter et Instagram pour